Mais où est ce œuf de poisson? Ah, here it is. No, it's not him. Oh, little poisson fucker. Yes, here it is. Come on. No, no. Come on. Come on. Come on. Come on. Oh, fucker! No! No. Surely not. Fuck! Yes. 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 Come on. Come on. Yes. Come here. Come here. We. We. Yes. Yes. Come on. A we. A we. A we. A we. Viens là, mon petit. Oh, mamma mia. Wow. What a big fish. Let's see it. Wow! For sure. Bref, salut à tous, c'est Kelly Gaverboy, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon aventure Zelda Ocarina of Time Master Quest. Dans l'épisode précédent, j'avais récupéré le... Oh là là, je ne sais même plus comment s'appelait cet objet. Truc Zora, là. Le Saphir Zora. Donc l'émeraude... donc le premier objet c'était l'émeraude, le deuxième c'est le rubis, et là c'est le saphir, normal. Donc là je viens de pêcher, enfin le gros poisson 10 livres qui permet à Link d'obtenir l'écaille d'or. Alors, pesez mon beau poisson. Allez, pèse-le. Pèse-le. Wouah ! Ce poisson est énorme ! C'est un nouveau record ! Il pèse au bas mot 10 livres ! Vraiment, voici ton prix. Ah, un quart de cœur ? Fuck ! Vous disposez de 3 fragments, hein, et plus qu'un... Ah bah zut, je croyais qu'on récupérait l'écaille d'or. Ah bah en fait, c'est quand on est grand. Eh ben zut. Alors, ce qui va se passer? Eh voilà, oh, les cannes, oui, c'est vrai. Faut rendre les cannes. Alors tiens, je te la rends. Partir. Voilà, donc je rends ma canne. Donc, ce qui va se passer dans cet épisode, pas grand-chose, vraiment, en avril. On va essayer quelques petits jeux, faire un petit tour à Cocorico pour récupérer le premier objet du premier palier de Sculptulas. Et tenter le jeu du lance-pierre, puis après on va se diriger dans le temple du temps et devenir adulte. Donc ça a pas l'air, c'est vrai que ça a pas l'air de grand chose au niveau de l'avancée de la quête, mais ça va prendre quand même son temps, donc cet épisode va être consacré à ça. Donc ce que je vais faire, c'est que peut-être faire passer la nuit, je crois qu'il y a une sculptulasse qui se cache là. Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a tellement de sculptulas, je ne sais pas du tout où les trouver. Bref, on va pas se prendre la tête, on verra ça plus tard, de toute façon, on va pas se prendre la tête, wesh. Alors, hop. Oh, j'adore cette attaque. Alors, on prend un petit peu d'argent, parce que pour le jeu du lance-pierre, je risque d'avoir besoin d'argent. À la rigueur, si je n'y arrive pas, c'est pas grave, je retenterai pas entre deux épisodes. C'est pas indispensable d'avoir les munitions de lance-pierre augmentées. Mais on verra bien, tant pis. Alors, mais voilà, dans la plaine d'Hyrule, donc je vais essayer de récupérer un fragment de cœur qui est caché à un endroit. Donc juste derrière ces petites barrières. Je sais pas si je peux l'avoir tout de suite, je sais qu'il y en a un là. De toute façon, c'est pas grave, je serai tout de même fixé, même si c'est pas possible. Hop. Donc c'est ici, au milieu de cette petite... ce petit enclos, on va dire. Voilà. Ah oui, il me le vend assez cher. Donc en fait, je peux l'avoir très tôt. Par contre, il me faut de l'argent. Donc à mon avis, je ne crois pas être apte à le prendre puisque je crois qu'il faut 150 rubis ou enfin une valeur en tout cas au-delà de 99 qui est mon plafond. Donc j'abandonne. Tu veux bien m'acheter des cœurs, unités et 10 rubis? Ah, c'est peu cher comme ça. Bah écoutez, c'est magnifique. Il me semblait que c'était super cher. Je suis mauvaise langue en fait. Bah c'est pas grave. Bah du coup, j'ai eu un point de vie supplémentaire. Voilà qui est fait. On me voilà déjà à 9 cœurs. C'est énorme. Alors je vous dis tout de suite, on va pas passer à 10 dans cet épisode, c'est pas possible. Par contre, je vais peut-être en trouver un ou deux.
Ouais, j'ai peut-être en trouvé un ou deux. Mais après, voilà, je crois pas qu'il y en ait d'autres. Donc voici le retour d'un ennemi qu'on a vu dans Zelda 1 et Zelda Link to the Past, le genre de big truc qui tournoie là, qu'il faut frapper uniquement quand il est immobile. Bah, c'est à peu près comme Zelda 1 et Zelda Link to the Past. On ne s'embête pas à le tuer. Voilà, ça sert à rien, on se prend pas la tête. Alors, y a pas un passage secret aussi? Je crois qu'il y a un autre passage secret dans le coin. Je vais essayer de chercher vite fait. On va essayer de chercher vite fait. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il y en a un vers le haut. J'avoue que là, ça va vraiment très loin dans les souvenirs. Je sais qu'il y a un trou ici, mais est-ce qu'il n'est pas justement près de l'entrée de la vallée Gerudo? Oh, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave, je crois que c'est pour des rubis. Je pense qu'on va pouvoir s'en passer, c'est pas grave. Allez, mon petit Link. Ah, c'est vrai que sans Epona, le voyage dans la plaine des rues est plutôt longué. Vallée Gerudo. Ah, j'ai hâte d'y arriver. Enfin, dans un sens, j'ai hâte, parce que j'adore cet endroit, mais dans un autre sens, non, parce qu'en fait, c'est vers la fin du jeu, donc... C'est une aventure qu'on aimerait jamais se voir terminer. Et oui. Toutes bonnes choses ont une fin. Alors je crois qu'il y a une sculpture là ici normalement. Tiens, je vais refaire tomber la nuit. Attendez. Droite, bas, haut. Droite, bas, haut. Voilà. Parce que je crois qu'il y a une sculpture là. Voilà, il y a raison. Ah, quand même certains souvenirs qui restent, hein. Certains petits détails comme ça. Tiens, je vais peut-être également... Alors, ça c'est... Ah oui, si, je vais le faire. Je vais également planter des haricots dans les petites fentes, là. Les petits trous qu'il y a dans le sol. Pour pouvoir en faire des plantes volantes. Qui me serviront une fois Link adulte. Donc ça va être aussi une occasion intéressante. Donc tiens. Allez. C'est quand tu veux. Voilà. Donc, première chose, prendre la poule. Prendre la poule. Ah oui, non, c'est. Je crois que ça me revient. Alors ça, je vais faire un truc qu'on ne fait pas normalement. Je suis pas certain qu'il faut le faire comme ça. Mais là, je vais me servir de la poule pour ralentir ma chute et atteindre le coffre là-bas. Alors, je sais pas si vous le voyez. Voilà, il est là-bas. Et je vais m'en servir. Encore une fois, pour atteindre un endroit tout aussi intéressant. J'espère être capable de faire tout ça. On va voir. Bon, déjà là, c'est bien. Donc, j'aurai l'un des deux fragments de cœur. Parce que je crois qu'il y a deux fragments de cœur ici. Donc, je vais l'acheter. Les récupérer vite fait. Voilà. Il faut surtout pas qu'elle tombe. Trop tard. Qui est fait. Link, il sera peut-être pas capable. Je ne sais pas. On va essayer. Non, j'en doute. Ouais, le courant est beaucoup trop fort. Allez, on va faire un petit tour, alors tant pis. De toute façon, on a le temps. Donc récupérer ce second fragment de cœur. Puis ensuite, commencer à poser les haricots. Haricots, c'est bon la vie pour les grands et les petits. On va rendre visite à un petit labo ancien là. Alors je sais plus si c'est ça, mais en tout cas petit vieux là, qui a un laboratoire je crois. Vous allez voir à quel point il est moche. Bon le personnage est marrant. C'est vrai qu'il est vraiment très moche. Mais pas moche parce qu'il est mal fait, il est vraiment moche. C'est naturel. Par contre je crois que je vais encore balancer la nuit. Parce qu'il y a une sculpture là cachée dans la maison je crois. Enfin, du moins sur la maison. Alors... Je dis bien je crois. Peut-être derrière... Ah, le hibou là-bas. Tu vas lui parler. Enfin, c'est rare, hein. Ce que je fais là, c'est vraiment pour vous. Parler au hibou alors que je peux très bien l'éviter. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Ça va, il y a quand même... souvenirs qui reviennent.
Donc du coup, ça me fait combien de sculptures là? 13. Ah, j'attendais une de... Je m'attendais à en avoir un petit peu plus. Il est balèze quand même. Que fais-tu là? Tu as parcouru un bien long chemin pour arriver jusqu'ici. N'hésite pas à consulter le sous-menu de la carte. Teddy, regarde autour de toi. Ce lac est une pureté cristalline. Au fond des eaux se trouve le temple de l'eau, dédié aux esprits de l'eau. Les auras sont les gardiens. Les auras sont originaires du domaine Zora au nord-est d'Hyrule. Cette race aquatique est fidèle à la famille royale. Seuls les membres de la famille royale peuvent entrer dans le domaine Zora. Bon, je retourne au château pour venir avec moi. Accroche-toi à mes serres. Hey, very interesting. Allons au château. Je pense que le fragment de cœur, il va attendre peut-être plus tard. Nous, on va se balader. On va aller direct au château, on va pas se prendre la tête. On prendra plus tard le fragment de cœur, car il ne disparaît pas, hein, de l'âge jeune à l'âge adulte. Il est toujours là, donc on le prendra une fois adulte. Et me voilà au château, merci. Et on a droit à une cinématique, c'est vrai, j'avais oublié. Séquence culte. Alors je vais me taire et on se retrouve juste après. C'est trop le méchant, il rigole pour rien. Elle s'est échappée. Toi là-bas, moucheron. Un destrier blanc vient de passer. Il y a un instant. Par où s'est-il enfui? Réponds. Tu crois que ton silence les protégera? Jeune impudent. Ah, t'es un petit rigolo, toi. Tu crois qu'avec ton cure-dent et ton bouclier de bois, tu cherches le contact? Bonne blague. Tu es brave, mais sot. Allez, dégage, minable. Insecte ridicule, sais-tu bien qui je suis? Je suis Ganondorf, et sous peu, le monde sera mien. Mais il est complètement fou. Eh ben dis donc, on peut dire qu'il est fort, lui. Allez, nous revoilà dans la plaine d'Hyrule. La princesse a jeté un immense caillou bleu. Et qu'est-ce donc? Allez, nageons. Enfin. Hop. Voilà. Et non, ce n'est pas un caillou bleu. Vous trouvez l'ocarina du temps. Ce trésor de la famille royale vous est confié par la princesse Zelda. Un message y est également. Kaylee, m'entends-tu? C'est moi, Zelda. Kaylee, quand tu trouveras cette ocarina, je serai déjà si loin.
Malgré mes efforts, je n'ai pu retarder ma fuite. Ma fuite. Bref, je ne peux t'offrir que cette ocarina, ainsi que cette mélodie. Ce chant ouvre la porte du temps. À nous, cette magnifique mélodie de la porte du temps. N'importe quoi, cette magnifique mélodie. Oh yeah. Vous apprenez le chant du temps. Va, Katie, entonne ce chant devant l'autel du temple du temps. Tu dois protéger la Triforce. Hey, 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 listen, 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 listen. Ah, je pensais qu'elle allait me parler. Bon, bref. Allez, donc... c'est vrai que, mine de rien, c'est vrai que pas grand-chose se passe, mais bon, il faut. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au Cocorico, je vais déposer 2-3 plantes, 2-3 graines. Je pense que ce sera déjà pas mal. Alors, la première... Attendez que je réfléchisse. Let me see. Attendez, non, c'est bon. Ou à la rigueur, les graines, je les poserai hors caméra dans un épisode spécial graines, spécial récupération de fragments de cœur, je pense. Ça risque d'être plus intéressant pour vous. Par contre, ce que je vais faire pour sûr, c'est chercher cette fichue pièce secrète. Je vais la trouver, moi, je vous jure. Mais qui s'en fout. Je vais le trouver. Y'a pas moyen. Bon, eh bien, j'aurais essayé. Le mec, il a tout fait péter. Il n'a plus de bombe. J'avais dit, je regardais sur internet. J'ai pas regardé, du coup. Alors, je pense qu'il est à gauche, le premier. Ah bah non. Ah bah non. Ah bah non. Ah bah non. Ah, il est là. Ouf, j'ai eu peur. La malédiction est brisée. Merci infiniment. Voici une récompense bien méritée. Vous recevez la grande bourse. Elle vous permet de transporter jusqu'à 200 rubis. Congratulations, Link. Congratulations. Donc, qu'est-ce que je peux faire désormais? Bon. On va pas trop traînasser. On va tenter le jeu du lance-pierre. Puis on va se diriger vers le temple du temps. On va pas se prendre la tête. Pas que cet épisode dure trop longtemps. Surtout, j'ai pas fait grand-chose. Alors, on va faire ça. On va le tenter une fois à deux. Enfin, du moins, jusqu'à ce que j'ai plus d'argent. Puis après, temple du temps. Et on devient adulte. De toute façon, il y aura beaucoup de textes. Alors, finalement, mieux vaut faire ça. Allez, go! Alors surtout, dites-moi si vous aimez l'aventure. Surtout dites-moi, hein, si vous aimez l'aventure Zelda, c'est très important pour moi que je le sache. Je sais, je me répète, je sais, j'ai l'air d'être un véritable Alzheimer, mais franchement, c'est très très important. Un j'aime, un commentaire, tout ça. Partagez, hein, si vous connaissez des gens qui aiment Zelda et qui éventuellement voudraient suivre une aventure telle une série télé. Tels que sont les let's play, bah dites tout, hein. Faites-moi savoir, faites partager, voilà, dites tout ce que vous aimez, les passages drôles, peut-être éventuellement des points à retravailler, dites-moi tout, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à tout ce genre de choses. Tiens, alors je crois qu'il y a moyen de récupérer du pognon. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Je me souvenais faire ça pour faire quelques emplettes. Notamment pour le jeu des missiles, je crois. À confirmer. Mais en tout cas, je me souviens avoir fait souvent ce défonçage massif de... Ah bah tiens, il y a une sculpture. Ce défonçage massif de peau, de poterie.
Ok, bon, rien de tout ça. On va voir ce qu'il a à dire, lui. Bah, je m'ennuie. Ah, s'il y avait un peu plus d'action, je pourrais m'amuser. Mais, tu gardes ça pour toi, ok? Enfin, on peut toujours faire un peu de bruit en brisant ces jarres. Appuie sur A pour en soulever une, utilise ensuite A pour la lancer. Ah, bah ça va. Bah c'est cool, ça a pas l'air de le déranger plus que ça, que je casse tous les pots. En même temps, ça dérange personne. Allez, alors je crois que le jeu des missiles, il est pas disponible maintenant, mais on va regarder quand même. Ça par contre, ça ce sera hors caméra, c'est sûr, parce que c'est l'un des mini-jeux les plus difficiles de ce jeu. Chasse au trésor, fermé pour le moment. Ouverture ce soir. Pourquoi pas le tenter après tout? Est-ce que j'étais entré là-dedans la dernière fois? Je découvrirai le truc. Bowling Tenue. Ah bah c'est celui-là. Fucker. Eh ben alors, ma belle, tu dors? Allez, réveille-toi. Comment, hein? Un client? Découvrez l'attraction des amateurs d'explosion. Si tu me regardais dans les yeux, ma belle. En plus, tu louches. Non, en fait, oublie. Le célèbre Bowling Tenue. Tu veux savoir ce qu'on y gagne? C'est un secret. Paie d'abord et je parlerai ensuite, petite bête. C'est 30 rubis la partie. Tu veux jouer? For sure. Ah bah, je croyais que ça c'était pour plus tard. Bon, tant pis. Allez, on l'a fait. J'ai failli oublier. Voici ce que tu peux gagner. Ah, fuck! En fait, il faut recommencer jusqu'à ce qu'il y ait des trucs intéressants. Alors, je crois qu'il y a un fragment de cœur, et je crois qu'il y a autre chose aussi, mais je sais plus quoi. Et c'est l'un des jeux les plus horribles. Faut caler Link, sachant que la caméra n'est pas, comment dire, modulable à volonté. Il faut se démerder pour que ça marche. Alors, ce qui est merde. Voilà, donc ce qui est chiant, c'est ça. Et la cocotte au milieu, qui prend un malin plaisir à se mettre dans la direction de la cible. Du coup, ben on perd beaucoup de missiles à cause de la cocotte. Alors, il y a une technique qui consiste... Ah, j'avais oublié, il avait la grosse cocotte. Et ça passe. Wouhou! Fight for the win. Cool. Bah écoutez, on va tenter deux fois, on va faire deux fois chaque jeu. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de texte qui nous attend. Oui. Alors, qu'est-ce que je peux gagner cette fois? Oh, j'ai pas oublié, est-ce que tu peux gagner? Ah, les missiles, fucker, purée. Ah, c'est vraiment pas intéressant. Alors là, je jette tôt, c'est une très mauvaise idée, mais des fois, ça peut aider. Ouais, ça sert à rien. Donc là, c'est super chaud, cette cible est très difficile à orienter. Il faut se servir du joystick et faire en sorte que Link soit calé vers la cible. Donc là, c'est vraiment bonheur la chance. Un peu comme ça, quoi. Le mec, il a vraiment trop de chance. Ah, ça, j'ai bien fait mon truc. Alors, pour moi, la meilleure chance d'y arriver, c'est d'attendre que la cocotte se déplace. Et ça passe. Vas-y, non. J'ai vraiment beaucoup de chance. Mais bon, c'est pas les lots que je souhaiterais gagner. C'est dommage. Bah, écoutez, comme j'ai beaucoup de chance, on va tenter une troisième fois. Hein. Et j'espère que cette fois-ci, il y aura le fragment de cœur. Parce que je crois qu'il y a un fragment de cœur ici. Oh, j'ai fait oublier. Voilà ce que tu peux gagner. Voilà, et là comme par hasard vous allez voir que je vais perdre. Donc franchement c'est interdit de rater la première cible, c'est la plus simple. Alors deuxième, j'espère qu'elle est au centre aussi. Super. Hop. Non. Ah, saleté. Alors ce qui est chiant c'est que quand la cocotte est touchée, elle est immobilisée et sonnée un petit instant, et il faut attendre qu'elle se barre, la vilaine. Alors. Ah non. L'intelligence artificielle du jeu est fait de façon à ce que la cocotte aille très souvent au centre. Bon là, bizarrement, non, mais je vous jure que c'est la vérité. Alors, ne bouge pas, ne bouge pas. Don't move. Ah, fuck. Ah là là, regardez-moi ça. Et elle se met bien au centre, vous avez vu ça? Purée, ça rend ouf. Ça rend vraiment ouf. Allez, on peut peut-être à la rigueur la tenter comme ça. Ah, j'ai l'air d'être bien orienté. Allez, on la tente, on va voir ce que ça donne. Bouge pas, bouge pas. Eh, pourquoi ça a pété? Tant pis. Oh là 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 là. Je sens qu'elles ne sont pas... Ah non! Bouge, 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 bouge. Move, move, move. Ah putain. C'est vraiment relou.
C'est vraiment relou. Allez. Allez, fight for the win, fight for the win. Croisez les doigts. Purée. Alors, ah, c'est tout se joue ici. Hein. Alors, ça peut aider hein, d'immobiliser la cocotte. Ça peut franchement aider. Allez. Ah, je rejoue. Fragment de cœur. Ah non. Bon, tant pis. On le fera hors caméra. On va le perdre volontairement, c'est pas grave. Se gagner des bombes, franchement. C'est useless. Mais je... À charge de revanche. On se la refera mieux une autre fois. Alors des fois ça marche comme ça, ça m'est déjà arrivé de le placer comme ça. Mais c'est assez chaud. Vous avez vu, c'est un petit peu aléatoire. Donc je dirais même que c'est plus risqué de passer comme ça. Mais ça passe des fois. Veux-tu rejouer? Non, certainement. Pas. Allez, go. Allez, salut ma belle. Pardon. Hey. Allez, on se tente deux fois et puis après on discute. Parce que là, ça passe. Vas-tu tenter ta chance? C'est dans le rubis la partie. Oui. Allez, oui, d'accord. Bon, là, ça va être chaud. Voilà. Alors, faut être très vif. Purée. Ce joystick est d'une sensibilité, c'est abusé, quoi. Franchement. Ah là 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 là. Et j'ai raté une cible. Voilà. Alors, franchement, sur 64, je vous le dis tout de suite, il est beaucoup plus simple. Parce que le joystick est beaucoup moins sensible. Et la visée est beaucoup plus adaptée, logiquement. Là, il faut vraiment manipuler le joystick avec des doigts de fée. Avec des doigts de fée, mes amis. Non! Ah. Allez. Voilà. Oh oui! Fantastique! Bravo! Ça j'agale! Voici ton magnifique prix. Merci! Ce gros sac de graines, 50 munitions, merci mon gars. Alors ce que je vais faire, alors je suis désolé, mais je vais retenter deux fois le missile, parce que j'ai encore 46 rubis. Alors cet épisode va durer un tout petit peu plus longtemps, le temps de retenter le jeu. J'espère obtenir le fragment de cœur du coup. Comme c'est... Ah non, c'est 30 rubis. Je crois que c'est 30. Bon, au moins on l'a retenté une dernière fois, c'est pas grave. Alors là, 30 rubis. Un peu vite de trouver un. Alors, qu'est-ce que je peux gagner? Ah, fuck! Est-ce qu'il y a moyen de se barrer, Ouais, parce que franchement, gagner un missile perso... Bon bah tant pis, j'aurais essayé. Alors, direction le temple du temps. Je crois qu'il y avait un masque à récupérer pour... le gars, là. Bonjour, bienvenue à la foire au masque. Notre devise, un masque, un sourire, la joie. Veux-tu devenir un coursier officiel distributeur de bonheur? Je te prête un masque, tu le vends, et tu me le rapportes à l'argent. Pour jeter un œil aux clauses du contrat, va lire la pancarte. Après avoir vendu tous les masques, ta joie sera aussi grande que le mont du péril. Et la foi, petit. Écoutez, 10 rubis, ben ça tombe bien, j'en ai 10. Vous empruntez le masque de renard, portez-le avec ses, devenez le type le plus cool du monde. Alors, cette quête des masques est une quête secondaire, alors je sais plus trop ce que ça rapporte, je dirais même que je ne sais même plus. On va essayer de la faire si possible. On dirait Pikachu en renard, quoi. Alors, je crois pas que ça permet de courir... Ah si, je crois que ça permet de... Ça ne permet pas de courir plus vite? Ah non, c'est pareil. Bah, je sais plus, franchement, je sais plus. Je remettrai ce masque aux gardes de Cocorico et tout... Enfin bref, il y a une petite quête sympathique. Pas indispensable, mais sympathique. Allez, on va terminer cet épisode sur ce gros moment du jeu. Ça va être très long. Accrochez-vous, on a au moins 10 minutes de blabla. Alors, on va jouer le champ du temps. Alors, c'était droite, A, bas, droite, A, bas. Ouais, c'est ça. J'avais oublié.
et la porte du temps s'ouvre. Link a désormais accès à une salle dans laquelle se cache un objet inestimable. Un objet qui est capable d'annihiler le mal. Mais pour ce faire, Link doit déposer les 3 reliques sacrées. Dans cette salle se cache la redoutable Master Sword. Oh, c'est quoi cette salle? Hey, Kelly, mais c'est... Oh, trop bien! C'est la Master Sword! Listen, listen, listen! Hey, hey, hello, hey, oh, listen! C'est la lame purificatrice! L'épée de légende! Elle tourne autour. Elle passe vraiment pour une groupie de l'épée. Et là, silence radio, je vous laisse kiffer ce moment. Félicitations, gamin. Comme je le pensais, tu avais en ta possession la clé des portes du temps. Tu m'as ouvert la voie jusqu'au Saint Royaume. Je te dois ma victoire, petit. Kady, reviens à toi, l'élu. Kady. Hey, listen. Listen. Navi, c'est toi? Hey, listen. Genre même le sage, il parle comme... Réveille-toi, bordel. Ah, enfin. Je suis Roru, l'un des anciens sages. Jadis, les sages bâtirent le temple du temps pour protéger l'entrée du Saint Royaume légendaire. Voici le sanctuaire des sages, au sein même du temple de la lumière. Le temple de la lumière se trouve au centre du Saint Royaume. Il est le dernier rempart contre l'influence maléfique de Ganondorf. L'épée de légende, la lame purificatrice, jadis prisonnière du piédestal du temps, est la clé ultime du Saint-Royaume. Kady, n'aie pas peur, regarde-toi. Hé, hey, il est beau! Il est super beau! Regarde Kady, tu as grandi! Tu es un adulte, je suis en ébullition! L'épée de légende est une lame sacrée interdite aux forces obscures. Seul le héros du temps peut la retirer de son socle de granit. Mais tu étais trop jeune pour être ce héros du temps. Ton esprit fut scellé en ce lieu pendant 7 ans. Mais... il est enfin temps de t'éveiller et de laisser la destinée du héros du temps s'accomplir par tes actes. As-tu conscience de la tâche à accomplir? Oui. Mais souviens-toi, même si tu as ouvert les portes du temps au nom de la paix et de la justice, Ganondorf, le roi des voleurs Gerudo, en a profité pour violer le Saint Royaume interdit, et sans vaseline en plus. Il a dérobé la Triforce dans le Temple de la Lumière, et grâce à ses nouveaux pouvoirs, il s'est sacré seigneur du malin. Son pouvoir maléfique a perverti le Temple d'Hyrule et a transformé en 7 ans notre monde en un chaos innommable.
Mon pouvoir est bien faible, mon influence mineure dans le Saint-Royaume et dans ce sanctuaire des sages. Mais il reste un espoir, la puissance des sages. Quand la puissance des sept sages se manifestera, les influences maléfiques seront endiguées par le sceau des sages. Moi, Roru, je suis l'un des sages, et ta puissance combinée à celle des sages te proclame héros du temps. Élu par l'épée de légende, ta destinée sera de guider Hyrule vers la lumière. Garde mon esprit avec toi, trouve les autres sages, et reviens ici consacré de leur pouvoir. Oh. Ouais, premier médaillon, trop bien! Ah, mais il est sexy, le Link adulte! Ah, de bave! Vous recevez le médaillon de la lumière. Roru le sage vous confie son pouvoir. Trouve les sages et sauve Hyrule. Sauve Hyrule. Sauve Hyrule. J'étais où ? Nous sommes de retour dans le temple du temps. Ces temps se sont-ils vraiment écoulés ? Je pense que tu ne pourras plus utiliser ton équipement d'enfant, ainsi que certaines armes. Bon, partons d'ici. Ok. Let's go. Qui es-tu ? Je t'attendais, héros du temps. Quand le mal est sur le monde, ce sensible à l'appel du Saint-Royaume légendaire se réfugie dans les cinq temples, dans une profonde forêt, sur une haute montagne, dans un vaste lac, dans la maison des morts, dans la déesse du sable. Grâce aux héros du temps, les éveillés chasseront les forces maléfiques du monde et apporteront paix et justice en Hyrule. Telle est la légende des temples, transmise de génération en génération par mon peuple, les Sheikas. Mon nom est Sheik, l'un des derniers Sheikas. Armé de l'épée de légende, le titre de héros du temps te revient de droit. Si j'en crois les légendes, ta quête est claire. Tu dois éveiller les cinq sages dans les cinq temples. L'un des sages attend dans le temple de la forêt, l'heure de son éveil. C'est une jeune fille que tu connais. L'influence maléfique qui pervertit les temples l'empêche de répondre aux appels du Saint-Royaume. Équipé comme tu l'es, tu ne pourras entrer dans ce temple. Alors crois-moi, rends-toi au village Cocorico. M'as-tu compris, Kedi ? Qui es-tu, toi ? Tu es fou ? Tu es fourbe ? Ah, est-ce que t'as un truc à me dire ? Non ? Pour sauver la fille de la forêt, il te faudra un nouveau pouvoir. Va au village Cocorico. Bref, allez, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez-moi prochainement pour aller à Cocorico et se diriger vers le temple 1. Moi, d'ici là, je vous dis... Portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao à tous.